Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de notre carrière sur Motorsport Manager. Et donc la nouvelle course qui nous attend ici, c'est le Grand Prix de Belgique à Spa. Alors on se retrouve cette fois-ci sur Motorsport Manager, mais la version officielle, puisque entre temps j'ai acquis le jeu, ce qui m'a permis d'avoir les dernières mises à jour de ce jeu. Et surtout d'avoir donc tous les correctifs et de permettre d'avoir le mode 2016 que j'ai pu installer et que j'ai pu tester. Donc c'est pour ça que dans la vidéo vous allez voir les sponsors comme la marque de pneus Michelin qui est présente sur la monoplace du GP3 de notre catégorie. Mais aussi on va aller faire un petit tour, un petit aperçu. J'ai commencé pour rigoler, pour voir un petit peu une carrière en F1, pour voir ce que ça donnait, si c'était intéressant ou non. Et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, ça avait quand même pas mal de gueule. On a vraiment les vrais noms des écuries, ainsi que les vrais noms des pilotes, et donc ça c'est vraiment, vraiment bien. On a aussi pas mal de nouveautés quand on fait la carrière en mode F1, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir, c'est vraiment plus complexe en tout cas, dans le sens où on n'a pas que la gestion de la voiture à faire entre chaque course. On a vraiment tout à prévoir, c'est-à-dire les pneus qu'il faut embarquer pour le week-end. On a les essais aussi, on a deux types d'essais, on a les essais pour les qualifications, les essais pour la course. Donc on a les circuits avec les vrais noms, comme on voit ici, avec Bahreïn qui ressemble plus à Abu Dhabi qu'à Bahreïn, Monza, Singapour, Suzuka, Hockenheim, etc., etc. Donc vous voyez, tous les circuits sont bien présents, et avec leurs vrais noms, donc ça c'est cool. Et puis donc les différentes catégories, F1, GP2, GP3, qui sont présents aussi. On va regarder un petit peu les skins des voitures, et c'est là que c'est le plus bluffant encore, hein, parce qu'on a vraiment les voitures qui sont vraiment bien faites. Donc on a l'écurie Mercedes, hein, qui est vraiment plutôt bien foutue. Sauber, hein, voilà, Haas, Renault, Toro Rosso, Force India, McLaren, l'écurie avec laquelle d'ailleurs j'ai fait une saison actuellement là, pour tester, hein, le mode F1. Et donc voilà, alors on va reprendre la suite de notre carrière du coup. Et on va aller voir un petit peu la suite de nos affaires dans cette écurie pour ce Grand Prix de Spa. Alors Spa qui est un circuit qui nous réussit plutôt pas mal, on a vu sur F1 2016 en tout cas. Et c'est vrai que là pour le coup, on va voir si ça peut être la même chose. Alors on va aller jeter un œil au message que l'on a reçu. Parce qu'il faudrait que on avance dans cette saison et que on ramène pas mal de points. Et puis surtout des sous, parce qu'on a pour l'instant toujours un déficit budgétaire. Donc on a une interview à donner à la Gazzetta dello Sport. Donc c'est vrai qu'aussi avec cette mise à jour, cette version plus officielle, j'ai pu voir la différence que ça donnait avec la version que j'avais, hein, qui était moins poussée. On n'avait pas cette notion d'influence des réponses sur les interviews. C'est vrai que j'avais l'impression de faire des interviews, je me demandais vraiment à quoi ça servait. Et là c'est vrai qu'on a... chaque réponse que l'on va donner a une incidence sur que ce soit le moral du pilote, la valeur de l'écurie, etc., etc. Donc voilà. Allez, on a réparé les voitures suite à notre dernier Grand Prix. On va les faire travailler sur la fiabilité. On a un nouveau sponsor, hein, qui s'est proposé. Donc on va aller rajouter le sponsor qui nous est offert. Et visiblement, ça va être... un seul choix, et c'est Nova qui nous donne tout de suite des sous, qui va nous permettre de remettre le compte en positif. Donc on va accepter l'offre.
Et puis, on va aller voir. Bon, pour l'instant, on peut toujours pas fabriquer de nouvelles pièces pour la voiture. Mais, voilà, on a les mécanos qui ont fini de travailler sur la fiabilité de la monoplace. Donc, on va aller vite aller les faire travailler sur autre chose. Donc, niveau fiabilité, on pourrait les faire bosser sur les freins, sur le moteur, sur l'aileron. La transmission, c'est bon, on a déjà une transmission qui est évoluée. Du coup, on va les faire bosser sur les freins et le moteur. Hein. Même s'ils sont déjà bien avancés, on peut déjà les faire bosser là-dessus. Et puis, on va avancer un petit peu dans le temps. Donc, Grand Prix d'Allemagne pour la catégorie F1 avec. Alors, donc, oui, effectivement, j'ai pas les vrais noms. Des pilotes là ici sur cet écran-là, hein, mais c'est tout simplement parce que j'ai chargé ma sauvegarde qui a été faite sur la version du jeu qui n'avait pas encore le mode à ce moment-là. Néanmoins, on reconnaît avec les silhouettes et les casquettes que c'est Nico Rosberg qui a fini devant Lewis Hamilton et un pilote allemand chez Force India, donc c'est Nico Hülkenberg. Après, on retrouve une McLaren. Et puis après, etc., etc. Enfin, en tout cas, voilà, on a une idée quand même des noms des pilotes. Si j'avais fait ma sauvegarde directement avec le mode 2016, on aurait les vrais noms des pilotes ici avec les vrais noms d'écurie. Néanmoins, bon, ça va, c'est suffisamment explicite, on va dire, pour comprendre qui est quoi. Revenons à notre catégorie et on va avancer un petit peu dans le temps pour aller jusqu'à la course, enfin jusqu'au week-end de Grand Prix de Spa. Alors on a un message, on a un dilemme, on a un des employés qui donne des informations à une autre écurie. Alors déjà, il faudrait savoir qui est cette personne. C'est donc la mécanicienne de course de Mustapha El Sadat. Alors, bon, elle a en plus des stats qui sont pas vilaines. Ça serait vraiment dommage de devoir la licencier. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose comme option pour résoudre ce dilemme? Alors, c'est soit on la licencie, soit on lui fait payer une amende, ce qui va avoir une incidence sur la relation avec les mécanos et la satisfaction de la présidente, et soit on laisse passer, et là on a vraiment des soucis avec la présidente. Donc à mon avis, on ne peut pas la licencier parce qu'on va être dans la merde, sinon on va se retrouver à devoir recruter une mécanicienne. Et si ça se trouve, c'est une mécanicienne qui va pas s'entendre avec Mustapha, et donc ça risque d'être la merde. Laisser passer non plus, c'est pas possible. Donc voilà, elle paye une amende. Ça nous fait des sous, et tant pis pour voilà, c'est faut limiter la casse, on va dire. Alors, on va mettre pause pour aller voir les niveaux des évolutions des pièces. Donc, ils ont fini de bosser sur la fiabilité du moteur et des freins. On va les faire bosser sur la fiabilité des ailerons. Après tout, il reste plus que ça. Et donc, on va avoir un. On va avancer un peu dans le temps et on a un vote à faire pour savoir si on peut faire des courses de 18 tours en moyenne. Et on donc course de 18 tours en moyenne, course standard de 18 tours, etc., etc. On voit que c'est bénéfique pour certaines écuries et par contre ça ne sera pas bénéfique pour notre écurie. Donc dans la mesure où ça ne sera pas bénéfique pour notre écurie, je pense qu'on peut voter contre. On ne sera pas trop. Ça sera pas trop idiot de faire ce vote contre. Donc on voit que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui est pour. Alors on est à égalité. Et aussi hein, je m'aperçois avec cette version officielle et mise à jour que l'on a maintenant à chaque fois qu'une écurie vote le nom de l'écurie avec son représentant. Avant on avait juste le représentant qui s'affichait et là maintenant on voit vraiment de quelle écurie il appartient, et ça c'est mieux en tout cas. Donc le vote a été rejeté, tant mieux. Et on se retrouve sur le circuit de Belgique. Et on va attaquer les essais libres. Alors j'avais un des abonnés qui m'avait donné un site avec le nom des. Enfin, un site où il y avait tous les réglages pour chaque circuit.
les meilleurs réglages possibles pour les monoplaces. Et je sais plus où est-ce que j'ai mis ce lien, le lien de ce truc. Et du coup, faudrait que je cherche, à moins que la personne me renvoie le lien dans les commentaires de la vidéo, ce qui me permettrait de pouvoir me servir de ces réglages pour gagner du temps dans les essais en tout cas, et faire bosser un petit peu plus sur le rendement des pneus de la monoplace. En tout cas, ouais, il faudrait que je retrouve ce lien, et ça doit pas être très compliqué de retrouver ces réglages, mais ce serait pas mal. Donc, on arrive à Spa avec une météo pluvieuse, comme on en a l'habitude à chaque fois sur ce circuit. Et on va attaquer les essais libres. Donc, on fait participer nos deux pilotes aux essais. On va voir au niveau des réglages. Alors, il voudrait une tendance à avoir un peu plus d'appui sur l'avant. Et à l'arrière, on va pas trop toucher, ce qu'il nous faudrait quand même de la vitesse. Et puis l'équilibrage vitesse-accélération. On met un peu plus de vitesse. Et puis on va faire les réglages pour Mustapha. Et on va se retrouver à la fin de la séance d'essai pour voir comment ça sera passé. Allez, on se retrouve à la fin de la séance d'essai libre avec donc les réglages qu'on a réussi à faire à peu près, hein, pour les voitures. Plus facilement chez Yvonne Fonseca, hein, qui nous a permis d'avoir tout de suite des réglages assez clairs par rapport à son style de conduite et à ses besoins. Un peu plus compliqué pour Mustapha. Donc voilà la séance qui va se terminer et puis on va passer à la course. Alors cette course qui devrait... être assez intéressante pour nous en tout cas, puisque Spa c'est un circuit qui nous réussit et on a débloqué un petit succès sur Steam. Effectivement, comme j'ai maintenant le jeu en officiel, c'est vrai que maintenant du coup ça permet d'avoir les succès qui se débloquent. Donc le Grand Prix maintenant qui commence avec une course sous la pluie pour le début de la course. Donc on va acheter un œil tout de suite à la météo. On met les bonus là qu'on a acquis pendant les séances d'essai, donc on voit les réglages de Yvonne Fonseca qui sont bons, hein, parfaits pour l'équilibre, enfin pour tout ce qui est aéro, très bon pour les deux autres parties, maniabilité et équilibre de vitesse. Donc maintenant on va essayer de régler un petit peu pour El Sadat, on regarde un petit peu les différents réglages qu'on avait utilisés pour voir comment la voiture peut être un peu mieux réglé, donc on va regarder ça. Et puis on va passer à la course. Et donc on regarde la météo. Si on jette un œil à la météo, on voit que donc on va avoir un épisode pluvieux avec de la forte pluie pendant quelques tours, mais ça va pas durer. Donc mes d'avis de, parce que quand on voit la courbe d'humidité de la piste au départ, on va partir sur une piste qui est relativement sèche. Enfin, à peine humide. Donc, mes d'avis de prendre les intermédiaires au départ. Et puis vu que l'épisode pluvieux ne devrait pas durer, essayer d'attaquer tout de suite au départ et de creuser un petit peu un trou, parce qu'on aura l'avantage des gommes tant que la piste ne sera pas détrempée. Et puis ensuite, essayer de voir si on peut faire quelque chose. Donc, la grille de départ. Avec nos deux pilotes qui sont, alors on va y arriver, voilà, qui sont 5e et 10e. Et on passe donc à la course. Alors oui, effectivement, comme je l'avais dit la partie précédente, hein, la vidéo, il n'y a pas le son du jeu, hein, tout simplement, parce que quand j'ai enregistré la vidéo au départ, le son était complètement saturé au niveau du micro, c'était inaudible, c'était complètement désagréable pour vous, donc j'ai même pas laissé... la piste audio, et j'ai préféré réenregistrer le commentaire après coup.
Donc là, le départ est donné, les pilotes qui sont moyennement bien élancés, on va passer tout de suite en stratégie ultra agressive et profiter de cette fenêtre où la piste n'est pas encore complètement détrempée pour pouvoir aller chasser les pilotes de tête. Et on va voir que ça paye puisque Ivone Fonseca qui est en train de prendre l'avantage sur les pilotes qui sont devant, elle remonte à la 11e place, récupère les places qu'elle avait sur la grille de départ et bientôt attaquer le pilote à la place numéro 10. En train de revenir sur ses pilotes, ça passe tranquille. Pendant ce temps-là, ça date devant pareil, il est en train de remonter, il est 8e, 7e maintenant. Une grosse remontada pour ces deux pilotes. Voilà, ça bouchonne un petit peu ici à l'épingle, mais ça passe. Ivone, elle a kiffé à l'intérieur, ils sont en 3 de front. Et elle s'impose, elle passe 8e, El Sadat qui passe 6e et qui va bientôt sucrer les deux autres pilotes qui sont devant. Voilà, ça y est, c'est fait. Ivone aussi qui monte à la 6e place, 5e place, maintenant 4e et 5e, nos deux voitures. Voilà, c'est terriblement la stratégie qu'il fallait opter. Là, on a bien géré le coup. Et on arrive sur les pilotes de tête. Alors, El Sadat qui passe 3e. On a les deux pilotes. Voilà, il passe même 2e maintenant. Fonseca 4e. Bientôt passé 3e d'ailleurs. Et on va être bientôt au cœur de l'épisode pluvieux. Et on voit d'ailleurs, on a l'impression qu'il fait nuit sur la piste. Tellement on est dans un épisode orageux. On va arriver dans la fenêtre où les pneus intermédiaires vont être en galère, hein, clairement. Donc il va falloir que. On profite au maximum de cette remontée que l'on a fait. Alors pendant que El Sadat lui est tranquillement installé en tête, Fonseca a calmé sa remontée puisque là du coup maintenant que la piste commence à être de plus en plus humide, ses pneus intermédiaires fonctionnent moins bien. Mais elle a quand même bien remonté dans le classement et on va essayer de gérer le temps qui va rester pendant lequel la piste va être détrempée. Donc on surveille l'évolution du temps à mesure que la course défile. On rentre dans le troisième tour et Fonseca qui commence à être un petit peu en misère avec ses intermédiaires, qui est en train de se faire remonter, qui passe à la 6e place, même bientôt à la 7e, qui est en train de redescendre. El Sadat pour l'instant qui est toujours leader mais qui est en train aussi de se faire remonter. Alors espérons que l'hémorragie ne soit pas trop grande. Alors on a fait une belle remontée, il faudrait qu'on arrive à ce que ce soit productif, hein, entre guillemets, cette opération. En tout cas pour Fonseca, une chose est sûre, c'est que là pour l'instant elle est en train de gérer. Elle reste à la 8e place, elle va bientôt. Alors attention, hein, il y a un pilote derrière qui est en train d'essayer de lui revenir dessus. Et il y a un incident derrière, voiture de sécurité. Alors ça c'est une terrible aubaine, hein, parce que finalement ça va nous profiter clairement, hein, dans la mesure où. Ça va arrêter du moins l'hémorragie puisque du coup Ivone va arrêter de perdre des places. On va pouvoir aussi du coup gérer nos gommes et notre carburant pour faire durer nos pilotes plus longtemps. Et ça c'est vraiment cool. On va pas faire descendre de trop non plus le style de conduite parce que sinon on va avoir les pneus qui vont être trop froids et à la reprise ça va être très compliqué. Et du coup on se retrouve avec nos pilotes qui sont respectivement 4e et 9e. Bon, l'opération est plutôt pas mal. Si en plus on regarde l'usure des pneus des autres pilotes, on constate que nos pilotes avec nos pneus intermédiaires se sont pas si mal débrouillés. On voit que Fonseca a peut-être fait 2-3 blocages, enfin au moins un blocage de roue qui a fait qu'elle a une usure un peu plus prononcée sur ses pneus. Mais les pilotes qui sont partis avec les pneus wet ont déjà des pneus aussi qui sont pas mal usés. Donc du coup, ça veut dire que au niveau de la gestion des pneus, sachant que la piste va bientôt s'assécher, tous les pilotes qui sont avec les pneus wet vont avoir les pneus qui vont se dégrader très rapidement. Nous, on va pouvoir faire tirer encore un petit peu avec nos intermédiaires et on va pouvoir s'arrêter un tout petit peu plus tard. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc là, c'est vrai qu'on est derrière voiture de sécurité, alors effectivement, il se passe pas grand-chose. C'est très lent, le tour en plus, il est relativement long. Donc on est obligé d'attendre un petit peu, mais là on arrive bientôt à la fin de cet épisode pluvieux, la pluie qui va bientôt décroître progressivement, le soleil qui va bientôt refaire son apparition, donc la piste va s'assécher et du coup on va reprendre un certain avantage d'avoir les pneus intermédiaires
Et ce qui nous permettrait d'ailleurs, si on y réfléchit bien, à se dire que effectivement on pourrait penser à passer directement des inters aux pneus secs. Du coup. Ça pourrait être une très bonne opération. Et du coup, là on va rentrer dans le tour de sortie du safety car. Et puis on va rentrer aussi dans la fenêtre de la fin de la pluie. Parce que le gros épisode pluvieux est en train de passer, on voit le soleil qui revient. Donc là au niveau de la stratégie, c'est plutôt pas mal du tout. Donc ça y est, on rentre dans le cinquième tour et ça va être le tour de rentrer au stand du safety car. Ah ouais, c'est sûr, hein, énormément de chance sur ce coup-là hein, d'avoir eu en plus le safety car, parce que je pense que sinon on aurait fait une sacrée dégringolée dans le classement. Du coup on serait peut-être rentré au stand pour chausser des wets, hein, on aurait peut-être perdu complètement au niveau du jeu de la stratégie, mais en tout cas, ou alors on serait peut-être rentré pour remettre notre train de pneus intermédiaire. Je sais pas trop s'il n'y avait pas eu le safety car, comment on aurait pu gérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais tout fait pour rester en piste le plus longtemps possible pendant l'épisode pluvieux, en sachant que si je voyais que mes pilotes allaient descendre au fin fond du classement, j'allais forcément pas rester en piste, j'allais rentrer. Tiens, parenthèse d'ailleurs, on voit que le dernier pilote du coup, hein, puisque Arbella a abandonné, mais Diaz, qui est rentré au stand et qui a chaussé des super softs, lui, à mon avis, il est parti pour essayer de faire une grosse remontée, pareil, jusqu'à la fin de la course peut-être, allez savoir. Mais ça va être chaud pour lui, hein, parce qu'il lui reste plus de la moitié de la course à faire avec des pneus super soft. Ça me semble compliqué pour le pilote qui est à la 19e place actuellement. En tout cas, c'est osé, mais ça peut payer. Donc à voir. Donc le tour qui va bientôt se terminer, et le safety car qui va bientôt se barrer. Donc on va pouvoir reprendre les hostilités et puis reprendre le cours de la course. D'ailleurs on remet en stratégie agressif et carburant élevé pour ne pas louper la relance, hein, parce que là du coup on va vraiment avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir pour prendre le large. Parce que regardez autour de nous, déjà autour de El Sadat, à la 5e et à la 3e place, on a deux pilotes qui vont rentrer au stand pour aller chausser, je l'imagine, des pneus intermédiaires. Je ne sais pas ce qu'il en est des pilotes qui sont à la première et deuxième place, ni des pilotes qui sont autour de Fonseca, mais à mon avis, voilà, tout le monde rentre au stand, et on se retrouve avec nos deux pilotes qui sont premier et deuxième, et ça c'était plutôt la bonne OP, parce que là, pour le coup, on va se retrouver... Ah, ils mettent des pneus secs, les pilotes IA. Alors c'est un peu tôt, je trouve, pour mettre des pneus secs, du coup on a encore l'avantage des gommes. Mais c'est intéressant comme stratégie. Regardez Diaz, hein, qui était 19e, qui se retrouve 3e là pour l'instant. Mais en tout cas, tous ces pilotes sont en difficulté parce qu'ils sont encore sur une piste qui est quand même bien mouillée, avec des pneus secs. Faut quand même se dire que c'est osé. Donc on va faire rentrer déjà un des deux pilotes, on va faire rentrer El Sadat, qu'on va faire rentrer et on va le faire chausser des pneus super soft. Parce qu'on a besoin d'avoir une stratégie agressive pour aller jusqu'au bout. Il nous reste 7 tours de course à faire, donc on va mettre de l'essence pour aller jusqu'au bout. On va mettre un petit peu plus parce qu'on va se mettre en non-économie d'essence, hein. C'est clair. Et puis, on va aller au prochain tour faire rentrer Fonseca, qui elle, du coup, va rentrer un tour plus tard. Et... il y aura une piste qui sera vraiment un peu plus sèche encore pour pouvoir être plus à l'aise avec ses gommes. Donc El Sadat qui va arriver à l'entrée des stands. On repasse sur Fonseca pendant qu'El Sadat rentre au stand. Fonseca qui prend la tête de la course, enfin qui était déjà en tête de course, mais qui va pouvoir asseoir son avance. Elle, pareil, même stratégie, on la fait rentrer pour mettre des super softs, et on met un tout petit peu plus d'essence pour aller jusqu'au bout. Et en ayant une marge pour pouvoir attaquer à outrance. Pendant ce temps-là, elle s'empare du meilleur temps autour. Ça fait plaisir. El Sadat qui est au stand et qui sort des stands. Ça va être tendu. Alors attention à cette sortie des stands qui est particulière ici. Parce qu'on coupe toute cette partie sinueuse. Et il ressort quand même à la deuxième place. Mais juste devant Diaz, hein, qui est le pilote qui avait fait la stratégie osée de chausser ses super softs très tôt.
qui finalement ressort des stands, donc El Sadat qui ressort des stands juste devant Diaz. Et il va falloir qu'on fasse attention parce que donc il reste 6 tours de course. Et 6 tours de course, il va falloir que ces pneus super soft aillent jusqu'au bout. Donc il va falloir les gérer les pneus, hein, et puis gérer surtout les pilotes qui sont derrière. Pour l'essence, on est bon. Il n'y a pas de souci. Et voilà, Diaz qui pose une attaque parce que les pneus sont un petit peu plus en température, donc forcément il peut se permettre une attaque. Et on revient sur Fonseca qui va rentrer au stand, qui vient de s'emparer du meilleur temps dans le deuxième secteur, qui s'engouffre dans les stands. Allez, les mécaniciens, c'est pas le moment de se louper. Voilà, elle s'immobilise. L'essence qui est mise dans la voiture, c'est fait. Allez, on chausse les pneus maintenant, c'est bon. Les arrêts au stand qui sont pas trop mauvais, hein, pour l'instant, on va pas s'en plaindre. C'est pas la perfection, mais c'est... voilà. Et Diaz, hein, qui s'empare du meilleur temps autour, amélioré par McLeod. Et on est parti pour la dernière partie de course. Maintenant, on rentre dans le 8ème tour. Et Fonseca, qui est toujours première devant Diaz, 3ème El Sadat. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien pour l'écurie Dragon Racing... En tout cas, il y a moyen de faire des gros points ici, hein, sur ce circuit de Belgique. On va peut-être même prendre un tour en voiture qui sont en fond de gris. Hein. Allez savoir. Non, c'est un peu présomptueux. Mais... Quoique, il y en a une qui s'arrête au stand. Sabado qui est au stand actuellement. Nick Chou qui est 17ème, tiens, notre ancien pilote qui a changé d'écurie par fausse manip. Qui se retrouve donc du coup... en fond de gris cette fois-ci. Je pensais qu'avec l'arrêt au stand du pilote qui était dernier à la Sabado, on allait lui prendre un tour, mais non. Allez, il reste plus que 5 tours maintenant de course. Diaz qui enchaîne les meilleurs temps autour. Alors, attention à la température des pneus, hein. Pour l'instant on est en train de vraiment de taper dans la gomme. On a les pneus qui surchauffent du côté de chez El Sadat et de chez Fonseca. Donc il va falloir se méfier, on va peut-être calmer un petit peu le jeu au niveau de la conduite. Parce que sinon les pneus n'iront pas jusqu'au bout. Donc du coup on va régler ce problème là du côté de chez El Sadat déjà, parce que c'est lui qui a déjà plus tapé dans ses gommes. Fonseca, on va continuer à la faire attaquer un peu. Parce qu'elle a encore un peu de la marge. Et on a Diaz, hein, qui revient comme un boulet de canon derrière. Je sais pas ce qu'il compte faire, parce que lui il a des pneus qui sont déjà à 50% d'usure. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? J'en sais rien. El Sadat, lui, par contre, il est en train de perdre un petit peu des places. Il vient de céder sa troisième place pour Tyler. Mais Tyler aussi, qui a des pneus qui sont déjà plus usés, sont à 50%. Bon, c'est vite fait, hein, d'avoir les pneus qui partent en brioche. Hein. Il suffit de mettre 3 coups de patin et puis les pneus sont cuits, il faut rentrer au stand. Si on regarde globalement au niveau des usures de pneus, nos deux pilotes sont les pilotes qui ont le moins usé leur gomme. Sans compter les deux pilotes de fond de grille, Cavalcanti et Sabado. Mais sinon, tous les autres pilotes ont déjà 50% d'usure sur leurs pneus, voire plus. Ça peut jouer en notre faveur pour la fin de la course. Il suffit que tous ces pilotes se retrouvent avec des pneus complètement morts ou soient obligés de rentrer au stand pour changer de gomme dans les derniers instants. Et on peut imaginer un super résultat ici. En tout cas, pour l'instant, Fonseca qui tient le pavé et qui est en train tranquillement d'asseoir sa première place et de voir se profiler une première victoire pour elle sur cette saison. Ça serait super. Hein. Sabado qui, malgré qui se trouve en fond de grille, vient de prendre le meilleur temps autour, et El Sadat qui est en train de dégringoler dans le classement, il est en train de glisser petit à petit à la 7ème place, voilà, mais attention, il y a aussi moyen aussi que d'ici la fin de la course, le pilote remonte dans le classement, puisqu'on voit que devant ça clignote rouge au niveau des problèmes mécaniques sur les voitures qui sont devant, donc il y a moyen que le pilote numéro 2 de notre écurie reprennent des places, il est maintenant 8ème et devant Fonseca qui est toujours première mais qui est talonné, hein, par Diaz. Il lui reste un quart de capital pneu. Est-ce que Diaz va aller jusqu'au bout avec son train de pneu? Est-ce qu'il va rentrer au stand? Je sais pas. Ah, alors que El Sadat vient mettre un blocage de roue, on a vu le petit panache de fumée et immédiatement la sanction, hein, vous avez vu l'usure des pneus qui s'est clairement bien marqué. Et on va bientôt rentrer dans les derniers tours.
va rentrer dans l'avant-dernier tour, dans le tour 12. Et Fonseca qui tient pour l'instant toujours la tête de la course, mais qui est talonné par Diaz. Diaz qui ne rentre toujours pas au stand. Allez, deuxième tour maintenant. Voilà, une partie relativement rapide. Et après, on va rentrer dans la partie plus sinueuse où là, Diaz va avoir vraiment des problèmes avec ses pneus. On voit que beaucoup de pilotes hein, sont vraiment dans leur dernier quartier d'usure de pneus. On va d'ailleurs aller voir ce qui se passe chez Fonseca pour voir où elle en est avec les poursuivants. Donc pour l'instant, ça va, elle gère son avance. Alors, elle est en stratégie full agressive. On pourrait éventuellement la faire passer. Non, c'est vrai qu'on a fait calmer aussi le jeu au niveau de l'attaque pour éviter de cramer ses pneus. Et heureusement qu'on l'a fait. Parce que je pense qu'il y aurait eu des soucis sinon. La dernière épingle et Fonseca qui va s'élancer vers le dernier tour de course. Et peut-être une victoire pour la pilote brésilienne. Et Diaz qui a raccroché les gants, hein, qui est dans son dernier. Ses derniers 20% de capital pneu, tout comme El Sadat qui rentre aussi dans une dernière fenêtre d'usure de pneus, il reste un quart de performance. Tous les autres pilotes qui sont devant ont des pneus qui sont cuits. Alors est-ce que le pilote va nous permettre d'aller chercher, de mettre deux voitures dans le. Ce serait bien d'avoir les deux voitures dans les objectifs du sponsor. Ça nous ferait beaucoup de sous, ça serait cool. Il reste quelques virages pour essayer de le montrer, de le prouver. Allez, elle s'adapte. Pendant ce temps-là, Fonseca est tranquillou devant. Parce qu'on voit que le deuxième est un peu plus loin derrière sur la minimap, donc on est relativement serein là-dessus. Voilà, le sixième là qui m'a l'air d'être à l'agonie, ça y est, elle s'adapte qui rentre dans les objectifs. Du sponsor, ça va nous faire deux voitures dans l'objectif du sponsor. On arrive dans les derniers virages. On a les derniers virages, l'épingle, et après on relance à fond vers la ligne de départ arrivée. El Sadat qui garde la sixième place. On arrive à quelques mètres maintenant de la ligne de départ arrivée. Attention au dépassement de Vallès et qui passe juste devant la ligne de départ arrivée. Pourquoi El Sadat a levé le pied alors qu'il avait l'avantage? Je ne comprends pas, c'est pas Vallès, c'était Willis, hein. J'ai mal lu, excusez-moi. Willis qui est passé juste dans les derniers mètres, juste devant la ligne de départ arrivée, et qui nous empêche d'avoir les deux voitures dans les objectifs du sponsor. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec El Sadat. J'avoue que j'ai pas pigé pourquoi il a levé le pied juste avant la ligne de départ arrivée, alors qu'il avait cette sixième place. Je suis un peu déçu, hein, mais bon. Allez, on va se consoler avec cette magnifique victoire de Fonseca et une très bonne stratégie, plus des événements tels que le safety car qui nous ont été favorables et qui nous ont permis donc de nous imposer ici sur le circuit de Belgique. Et donc on va aller savourer cette victoire. Alors on regarde la stratégie, on voit nos deux pilotes qui sont complètement décalés par rapport aux autres pilotes du tableau. On voit même le pilote qui a fini quatrième là ici qui s'est fait un trip avec les arrêts au stand. Il est parti avec les wets, il s'est arrêté au bout de deux tours pour rechausser des wets, faire un tour avec, remettre des wets pour deux tours. Ils n'étaient pas sereins les mecs, hein. Diaz là, lui qui a fait deux tours avec ses wets, il a mis des wets pour un tour et qui après est parti en super soft pour faire 10 tours avec. Donc c'est assez hallucinant cette façon de faire au niveau de l'IA. Et puis les autres pilotes qui sont arrêtés, par exemple on voit les deux pilotes brésiliens du fond de grille qui sont arrêtés après les wets pour mettre des softs, qui ont fait deux tours avec et sont passés en super soft pour finir, c'est relativement étrange. Donc voilà cette magnifique coupe qui nous est décernée pour cette victoire ici, et ça fait plaisir, et ça nous fait remonter Ivone Fonseca à la 6ème place au classement général du championnat du monde des pilotes. El Sadat aussi qui remonte à la 13ème place, ça fait plaisir. L'écurie qui est donc 5ème au classement du championnat du monde des constructeurs, et ça aussi c'est cool. Et ça va faire du bien au moral de tout le monde, et puis surtout de la patronne qui va allonger les bifs et qui va pouvoir nous donner un paquet de blé. On va pouvoir reconstruire des pièces enfin
parce que ça faisait quelques courses qu'on n'avait rien fait. Et donc voilà. Donc voilà le moral des pilotes hein, ça va faire du bien. Et donc le pognon qui est distribué, donc on a le centre de. Comment ça s'appelle? Le centre de visite hein, qui nous rapporte 73 000 euros. Merci de m'avoir conseillé de le faire hein, dans le live la dernière fois. Et puis le paiement de la présidente plus les sponsors, voilà, ça nous fait un petit pécule non négligeable dans l'escarcelle. Voilà, ce Grand Prix s'est terminé avec une belle victoire, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. Je vous rappelle que sur la chaîne cette semaine, il y a eu la rediff dans l'intégralité dans la playlist VOD du live du Grand Prix de Monza. Et puis sur la playlist F1 2016, la rediff de ce live avec la version juste qualif plus course. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao.